bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Écouter moi ça va vraiment au meilleur de moi-même les potes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Hope sur Clan les gars. Votre team préférée, on peut se le dire, vous inquiétez pas, je vais pas vous fâcher, vous pouvez le dire, y a aucun souci. Et donc là vous vous dites, waouh, qui est cette nouvelle personne, un nouveau commentateur, c'est génial. Donc moi je me présente, je suis WhatsApp, c'est un petit youtubeur de type fun. Et je vous proposer sur la Hope sur Clan des commentaires what the fuck, insolite, et j'ai tout dit. Et donc pour mon premier commentaire, je vous propose bien évidemment un sujet fun, ça me paraît logique, je vais pas vous proposer un débat sur la politique. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter le grand, le fameux, le gigantesque gameplay. Donc c'est une nucléaire sur Hunted, bien évidemment sur Black Ops 3, réalisé par Amnesia. Alors le petit coquinou, il nous a pas réalisé une simple nucléaire, il l'a réalisé en point stratégique au SVG 100. Donc admirez bien ce magnifique gameplay sous vos yeux. Et sur ce, mettons le fond en musique. Ah oui, non mais oui, c'était censé être drôle en fait, mais c'est vu que j'ai un peu pas beaucoup d'humour, ça passe pas trop, tu vois. Bref, faudrait peut-être qu'on commence à faire la vidéo. Donc on va tout de suite commencer avec le sujet what the fuck. Alors c'est un homme, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a braqué une banque, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin non, pas trop. Bref, cet homme c'était pas un simple homme, tu vois, il était handicapé, c'est-à-dire qu'il a un fauteuil roulant et il a braqué une banque en fauteuil roulant. Ah non mais moi je le félicite hein, t'imagines le mec comment il fait pour prévoir, c'est-à-dire t'imagines t'arrives devant la banque et il y a des escaliers, comment tu fais? Mais non mais il avait tout prévu les gars, il avait vraiment tout prévu. Il a fait l'achat d'armes et de grenades, mais on verra tout ça après. Et maintenant je vais vous expliquer comment il a réussi à rentrer dans la banque, à faire ses petites histoires, à récupérer ses armes, à faire tout ce qu'il a pu faire pour braquer cette banque. Donc aussi il faut savoir que c'est en Croatie, au centre de Zagreb, et que l'homme s'est quand même empoché 6 000 euros, c'est pas rien, 6 000 euros, sachant que le mec est juste venu avec des roues. Ok, on arrête les blagues. Donc cet homme se trouvait devant la banque, il a voulu monter par les escaliers parce qu'il n'y avait pas de rampe. Bref, des passants l'ont aidé à monter, bien évidemment, ça me paraît, c'est de la politesse, tu vois, donc c'est un peu normal. Mais je pense pas trop qu'il se doutait qu'il allait faire un braquage. Et puis c'est vrai que quand tu vois un homme en fauteuil roulant, c'est pas la première chose à quoi tu penses. Donc les passants l'ont aidé à monter les escaliers, et une fois arrivé en haut, après être rentré dans la banque, bien évidemment, l'homme cria, j'ai une grenade. Déjà, les passants qui l'ont aidé à monter, je pense qu'ils ont dû se barrer en courant, tu vois. Ils sont barrés direct. Mais par contre il restait quelques passants encore dans la banque. Par la suite l'homme s'est dirigé vers le guichet de la banque. Et ce qui est encore plus what the fuck, c'est que l'homme s'est dirigé vers le guichet de la banque, mais il y avait encore des marches, ce qui fait que l'homme a encore été aidé par des passants. Mais là c'est pas pareil qu'avant, parce que les passants savaient qu'il allait faire un braquage. Donc les passants auraient très bien pu faire, non mais on t'aide pas, tu vas faire un braquage, t'as cru quoi poteau? T'as cru qu'on allait t'aider à braquer une banque? C'est mort. Mais non, ils l'ont aidé comme des petits pigeons. Ce qui fait qu'il avait actuellement une dizaine de personnes en otage, mais il n'avait pas d'armes. Il avait juste une grenade. Donc ça veut dire que s'il décidait d'éliminer un seul otage, il ne pourrait clairement pas. Sachant qu'il a une grenade, s'il l'ouvre, il peut pas trop courir. Non. J'avais dit on arrêtait les blagues. Donc faut savoir que s'il faisait tout péter, lui aussi il passait. Donc c'était statistiquement parlant inutile. Et donc finalement au bout de quelques heures, les employés de la banque lui décident de lui remettre une somme d'argent pour qu'il se barre et que la banque refonctionne normalement. Donc ils lui ont remis 50 000 kunas. Ouais, kunas, ouais, c'est la monnaie de Croatie. Ça fait à peu près 6 600 euros, ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'il était en fauteuil roulant encore une fois. Et donc après, le mec, au calme, posé dans le canapé, quand il a fini de braquer sa petite banque, il décide de se diriger vers une station service. Il descend les escaliers sans l'aide de personne, il a pris un taxi et il est parti à 80 km de la capitale. C'est-à-dire il est parti à environ 80 km de Zagreb, c'est-à-dire le centre de Croatie. Mais bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il a été retrouvé par la police. Je sais pas comment la police a réagi quand ils ont su qu'un homme en fauteuil roulant avait braqué une banque, mais ça devait être assez what the fuck. Alors moi je vais vous dire vite fait mon petit ressenti, je pense que les banques de Croatie devraient avoir exceptionnellement des rampes exprès pour les handicapés. Comme ça les personnes handicapées pourraient plus facilement braquer des banques, ça serait cool, tu vois. Non, plus sérieusement les gars, ça reste quelque chose de what the fuck, mais ça reste quelque chose de vrai. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé les gars. C'est pas du mytho, c'est pas du fake ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une personne dans le monde qui a braqué une banque en fauteuil roulant. J'ai pas pu trouver son nom sur les quelques articles que j'ai lu par rapport à ça. Et aussi je sais pas trop ce qu'est sa peine. C'est-à-dire je sais pas s'il va aller en prison, s'il va aller, tu vois, s'il va rentrer chez lui, je sais pas du tout. Enfin je pense qu'il va quand même avoir une lourde peine, parce que braquer une banque, c'est déjà quelque chose, tu vois. Mais en fauteuil roulant, je sais pas si la peine va être allégée ou quoi. Je ne sais pas. Et donc aussi je tenais à dire que cet homme a seulement 35 ans. Donc 35 ans, il faut savoir que c'est pas super vieux non plus. Il est très jeune, donc je vais pas dire qu'il était peut-être pas conscient de ce qu'il faisait, mais à mon avis il était pas très mal dans sa tête aussi. Parce que ça va braquer une banque en fauteuil roulant, il savait qu'il avait quasiment pas ses chances. Mais la preuve, il l'a quand même fait et il a réussi à le faire en partie, parce qu'il a quand même réussi à prendre 6 600 euros. Mais à la fin, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à s'enfuir, car la police l'a interpellé plus tard dans la soirée.
Il faut savoir que tout simplement le braqueur en avait parlé au chauffeur du taxi avec qui il était monté et que le chauffeur pourrait être éventuellement complice, mais il n'avait rien dit aux policiers et les policiers le croyaient car c'est son métier et tout, mais après le fait qu'il soit handicapé justement ça peut pas, tu peux pas le laisser dehors tu vois, tu peux pas le laisser rentrer chez lui en fauteuil roulant, ça se fait pas trop. Donc le chauffeur était en quelque sorte obligé de le prendre, j'ai envie de vous dire, parce que sinon après c'est lui qui risquait d'avoir des problèmes. Il faut savoir aussi que toutes ces choses là que je vous ai racontées se sont passées le 10 mars 2016, donc c'est vraiment il y a pas du tout longtemps. Donc après tu pourras te la péter devant tes profs et tout en disant qu'il y a eu un braquage en Croatie, que tu le savais avant tout le monde parce que t'as regardé la vidéo de l'Obscur Clan. Ça me fait plaisir de vous mettre très rapidement au courant de ce qui se passe. C'est déjà la fin de cette vidéo les potes, oui c'était rapide. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu les potes, à partager cette vidéo, à dire votre ressenti en commentaire et à vous abonner à la chaîne de la Obscur Clan qui est entre parenthèses toujours votre petite team préférée, on peut se le dire. Et sur ce les gars j'ai qu'une chose à vous dire, à la prochaine et ciao ciao.